Et oui, coucou les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne du Mister Ghost, une chaîne exclusivement Lego au 100% du jeu. Comme d'habitude et bien entendu, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés sur votre fauteuil ou votre chaise pour suivre l'épisode numéro 3 de SOS Phantom 2016 à Lego Dimension, mes amis. Et on y va de suite. Allô? Allô? Ça marche ce truc? On t'entend, Kevin, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un vient d'appeler. Quelque chose attaque l'Institut machin. Ils en ont jusque... quelque part. Bon, alors si on passe ça au traducteur Kevin Langage Humain... Ça fait beaucoup de choses. Un problème à l'Institut Higgins. Qui... Eh ben, je vais y aller, mais comme un gros fainéant, je vais y aller en voiture. Allez, c'est parti. Moi, j'essaie de dégager un chat fantôme d'en haut d'un arbre. Allez, on y va. Bon, après, je fonce dans tout, hein, je vous le dis tout de suite. D'accord, je m'en charge. Hop. Je viens d'arriver à Higgins. Vu qu'ils nous ont virés, je dois dire que ça sent un peu le karma. Mais bon, c'est à nous de nous montrer adultes, j'imagine. Allez, on y va, on continue. Lâchez ça tout de suite, bande de voyous! Allez! Observation importante! Ah, dommage! Ah! Voilà, ça c'est fait. Angle 3. Casse-tête, ça. Non! Ah! Change de la tête. Bien! Maintenant, je fonce à ma réservation. Allez, on y va, on va continuer pour là. Ah, dommage! Voilà, et deux. Voilà, faut pas oublier d'appuyer sur X en même temps. Et on va aller faire le dernier là. Je vous jure, c'est pas moi qui fais ça. Ah! Allez! Voilà, c'est fait. Et X pour appuyer dessus. Il était temps que quelqu'un fasse dégager ces gothiques bizarres. Voilà, c'est fait. Mais c'est pas moi qui fais le cochon, je vous le dis. Faites attention si vous êtes dans le quartier. Ça peut faire très mal. Merci, Kevin. Quelqu'un a le temps d'y aller? J'ai un petit... Bon, bah, on va aller faire. Bah, je suis dans le pâté de crâne mort-vivant. Je suis très bon conducteur, hein. Non. Bon, ça n'a pas l'air bien méchant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? D'accord, ok, maintenant c'est bien des dragons fantômes. Je suis pas... J'espère qu'on va pas y avoir un droit. Je crois pas que ce soit traditionnel. Allez, on passe à l'action. Voilà, hop. Oh, ça va, c'est assez rapide. C'est plus rapide que la première tournée. Voilà, 3. Et normalement ça devrait être bon. Et hop, voilà, on récupère les petites pièces. Ah, on est dans le niveau quand même, hein, mes amis. Bon, aucun signe de notre copain de classe 3 par ici. Alors, je vais où? Rien de mon côté non plus. Ni ici. Mais tous ces phénomènes qui se sont produits, j'ai l'impression qu'il y a un motif. Retrouvez-moi au QG quand vous aurez fini. Terminé. Faut pas que je prenne la brique rose, voilà, rouge. J'ai finalement. Hop, voilà, et on y va. Bon, je voudrais rappeler à tout le monde que nous avons vu plusieurs apparitions malveillantes de classe 4, et ceci en très peu de temps. Il se sert des appareils pour charger les lignelets. Il crée un énorme vortex. Bon. S'il amène une de ces machines ici, et qu'elle est assez grosse, il va pouvoir ouvrir une brèche dans la barrière. Y a quoi là-bas exactement? Le Mercado. Hé hey, c'est le type qui était dans le métro. C'est lui qui parlait du cataclysme. C'était lui. Mesdames, on s'équipe et on fonce au Mercado. Allez, c'est parti. Je pensais que j'allais conduire, mais non. Ah, les constats, ils vont y aller, là. Les constats vont y aller. Ah ouais, c'est sûr. C'est elle.
Ah oui, être garé comme ça. Allez, c'est parti, je vais enlever la voiture. Bon, où peut bien être le concierge? Ah, je sais, demandons à l'accueil. Elle a l'air sympa. Vous avez vu, au fond, il y a un mini kit, hein. Allez, on y va, on appuie. Hop. Où est votre concierge? Oh, ce type, qu'est-ce qu'il a fait? Peu importe, descendez et attrapez-le. Ok, ça marche. Allez, on va descendre. Pour l'instant, rien de compliqué sur ce sol, mes amis. Bonjour, comment puis-je vous aider? Je pense que derrière, on va avoir un petit souci pour entrer. Bon, ça fait un peu peur. Allez. C'est peut-être un fusible qui a sauté. C'est ce que je pensais, trop simple. Une flottante de classe 5. Assez mignon, j'aimerais que je souris. Oh, il a peur. Il n'aime pas qu'on se... J'ai déjà un truc à monter à l'étage. Donc c'est bon, on va y aller. J'ai que c'est lui qui a semé toute cette pagaille. Il faut le trouver et le capturer pour mettre fin à tout ça. Ça serait bien, hop. Je veux pas vous faire flipper, mais c'est devenu un peu art déco ici aussi. Non, ça marche pas. Allez, qu'est-ce que c'est de ça? Ah, bon, ça va. C'est pas très compliqué, hein. Allez, on y va. Ah, dommage, perdu. Voilà. Une fausse note. Et vous avez vu comment je viens maintenant? Oh, belle pièce bleue. Deux petites pièces bleues là. Hop. Je suis sûre que le fantôme se plante dans cette boîte là-haut. Allez, je vais prendre la voiture pour faire. Hop, les mains. On y va. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Hop là. Bon, je ne passe pas. Ça, c'est bon. Il n'y a plus rien. Donc, on va aller voir là ce que j'avais vu tout à l'heure. Je vais bouger la voiture parce que j'ai besoin de la place. Je n'arrive pas à comprendre. Hop. Attendez. Ah ben, on va faire ça. Hop. C'est mieux comme ça. Allez, on va pousser. On tire. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Ça me rappelle un film, mais je sais plus quoi. Bah, si vous avez la référence de ce film là, n'hésitez pas à le dire hein, dans les commentaires. Je sais que j'ai vu ce film, mais où? Et quel titre? Encore moi. Bon. Bah, il s'est planqué là. Ça, c'est bon. Ah, c'est en haut, en haut. Voilà. Ah non, il faut encore le tuer. Ah non, on va le tuer. Ah non, faut pas le tuer. Il y a quelque chose à construire là. Alors, ça fait rien. Bon. Allez, j'ai une rampe, je vais prendre la voiture, on va. On prend un peu d'élan et... Il est trop fort. Il peut se transformer en brume. Espérons qu'il peut pas nous engluer ou nous poser. Allez. Dans la tronche. D'accord, ok. J'avais mal fait. Bref. Il me faut la voiture. Je sais pas où elle est passée. Voilà. Et j'ai contourné. Laissez-moi deviner. Il va se recacher. Il devrait le faire là où il n'y a pas d'escalier. Il est où? Ok. Donc là, nous avons un nouveau système, là. La déchirure ou... un truc dangereux, là. À peu près. Allez, on y va. On va aller voir. Hop, ça c'est fait. On va voir pour le tuer lui. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire lui? Ça marche pas. Ah non.
Allez, X. Voilà. Ok. Alors, c'est rose, jaune, vert. Rose, jaune, vert. Voilà. Ok. Nous avons notre petite construction qu'on va faire. Et ça va nous apporter... Il faut que je le mette au symbole. Voilà. C'est une déchirure, je crois. Je suis pas sûr. Déchirure. Voilà. Ça, ça me va. Alors, on va aller dans le jeu, comme je suis dans le jeu. Et je relève la voiture. On va voir un peu ce que ça dit. Alors, hop. C'est quoi ça? Une prise, évidemment. Allez, on va aller voir un petit peu ici. Ah, il me dit de faire quelque chose. Ok, il me faut Haussmann. Ouais, c'est bon, c'est la bonne personne. En plus, les réparations sont assez rapides, donc je vais pas à me plaindre. Voilà. Ah ouais, l'aspire le tapis directement. Allez. Bah, je pense qu'on a fini, on va les tendre direct. Hein. Comme ça, la générique se fait direct. Et hop. C'est fait. Et je vais dans rose. On perd pas de temps. Allez, hop. Voilà, ça c'est bon. Je vais garder Haussmann pour jouer un petit peu avec elle. Si je peux, hein. C'est pas dit que je vais y arriver. Allez, hop, on y va. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ouais, c'est... les associations parfaites. Alors... hop. Hop. Je sais pas si je vais réussir du premier coup, hein. Ah, voilà. C'était celui-là. Non. Donc celui-là, c'est juste en dessous, là. Et là. Et lui, hop. Et c'est bon, on a réussi, les amis. Et ça nous ouvre le coffre-fort. Par magie. Après, la rigueur, j'aurais pu prendre Harry Potter. Pour faire ça. Eh ben, je crois qu'on a réussi. Hein. On va pouvoir revenir en zone normale. Allez, hop, je transfère directement notre personnage en zone normale, si elle veut. Voilà, ça c'est fait. Le pad ne l'avait pas enregistré. Allez, qu'est-ce que c'est que ça? On nous fait quoi? Un tableau? Ah non, c'est pas un tableau ça. C'est le fantôme. Bon, il est revenu là. Si je peux l'avoir là, ici, ça serait bien. Non, peut pas. Alors, allez, allez, allez. À mon avis, on va y avoir droit au même système. Allez, X. Et voilà. Je pensais qu'il y aurait une petite rampe à faire, mais non. On a compris. Et ça c'est pour qui? C'est bon, je m'en occupe. Elle est où? Voilà, c'est elle. Et on y va, même chose. Je pensais qu'il y aurait eu la voiture, mais non, il n'y a pas la voiture. Hein. Allez, par contre... ah si, il y a la rampe. Il y a la rampe. Allez. Bon, mon voiture, elle a un peu mal placé, mais c'est pas grave. Allez, hop. Ça, c'est fait. Ah bah oui, ma petite électricité, c'est magnifique ça, en plus l'électricité à côté. Donc, c'est pas elle, c'est elle là-bas, là. Non. Ouais, c'est mieux. Allez, c'est parti, on y va.
Allez. Et on va le mettre là-bas. Ça va nous activer quelque chose, je pense. Ah non, c'est bon. L'ascenseur débloqué. Ah ouais. Donc c'est bon, on va passer au prochain level. Hein. Allez, c'est parti. Deux pièces bleues, je sais pas si vous avez fait gaffe, mes amis. Deux pièces bleues sont magnifiques. Stop, plus adresse. Je sais que vous adorez attirer tous ces fantômes à New York, mais le problème, c'est qu'on aime bien notre monde tel qu'il est. Alors, c'est que vous avez eu droit à la dignité et au respect dû à tout être humain, ce que je n'ai pas su. Ouais. Heureusement, je ne suis pas le seul à vouloir me venger. Ah, écoutons, il est là, mon bouffetou. Une armée détruite, une armée de zombies viendra embêter les vivants. Embêter les vivants? Rien que ça? C'est pas bien méchant. Embêter les vivants en les faisant atrocement souffrir. Je crois que le mot qu'on cherche est apocalypse. L'apocalypse. Éteignez-la. Ok. Allez, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Bon, je vais prendre quelques pièces là pour l'instant. Chaudière, ce truc-là doit pas être aux normes. Éteignez-la. Allez, hop. Je le tue pour voir un peu. Ça fait mal. Je crois qu'il me faut des renforts paranormaux. Ça y est, ça marche. D'accord. Alors. Allez. Attrapez-les. Attention, je crois qu'il contrôle les fantômes avec cet appareil. Allez. Ah, c'est bon, donc il fallait attendre. Ah, il fait mal quand même au cœur, hein. Il prend à cœur à chaque fois. Voilà. Ça, c'est bon. On va le tuer là. Bon, c'est pas grave, je suis mort. Et après, on fait quoi? D'accord, ok. Là, on a vu le petit trait à faire. Allez, on y va. Un petit recadrage. C'est rien. C'est pas grave. Donc là, maintenant, le laser. Voilà, pour le faire chauffer. Bon, ça va, on le touche en même temps. Donc normalement, ça va nous ferait 2 cœurs enlevés. 2 cœurs. Minimum. Prêt pour le deuxième round de la raclée. Hey, allez-y, on est à 4. J'ai pas de cœur pour lui. Y a pas de cœur sur mon personnage. Je me demande si c'est bon ce que je fais. Ça, c'est bon. Pardon si je dois employer la manière forte. Ah, bah revoilà le deuxième bras, donc c'est bon. Ah, ok, je me suis fait choper. À mon avis, là, je suis mort. Allez. Voilà, ça, c'est fait. Ça nous a fait enlever ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais tuer d'abord ces petits monstres-là. Bon, voilà, je suis mort encore, c'est pas grave. Et je meurs quand même beaucoup, pas mal de fois. Hein. Ah, et là, on a encore le même cadre à tuer. Je vais le faire. Allez. Oh, j'ai encore du laser à faire. On va aller faire le laser. Eh non, ça fait 14. Voilà. Alors, tu veux bien y aller? Allez. Voilà, c'est bon. Bah, mon joystick, il doit déconner un petit peu. C'est pas grave. Voilà, ah, il est où lui? Et alors?
Alors, tu mets ou pas? Je fais quoi, moi? Oula, c'est quoi ça? C'est pas grave. Bon bah, j'ai rien à faire pour l'instant, donc... Puissance du paranormal face à vos misérables. Alors, et là... Et bon, le gros carré, il est dur. Là, tranquille. Voilà. Oula, 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 oula. Oula, 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 oula. Alors après. Bon, je vais esquiver, mais à un moment donné, il va falloir que j'attaque aussi, moi. Non? Tu veux pas que j'attaque? Ah, ben voilà. Je peux attaquer maintenant. Stop, stop, stop! Waouh, arrêtez tout! La police est déjà en route. C'est fini, vous allez en prison, Rohan. Eh bien, dans ce cas, salut. Wow. C'est très étrange. Il faut essayer de couper ce truc. Bon, bah c'est fini. Waouh, ça sent la saucisse grillée et l'air grais ici. Le maire veut vous parler, mesdames. Ah bah non, mes amis. Donc, ben, c'était la fin du level niveau 3 de SOS Phantom 2016. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, ça va. J'ai aimé. Un peu court, mais j'ai aimé quand même. Bah, sur ce, si vous avez aimé, le petit pouce bleu qui fait plaisir, si vous voulez laisser un commentaire ou me donner des petites idées pour aller de l'avant, parce que c'est mes abonnés qui font la chaîne et pas moi. Moi, je fais ce que vous me demandez. Eh ben, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser en compagnie du prochain cinématique. Et je vous dis à la prochaine fois, au prochain gameplay numéro 4 de SOS Phantom 2016. Bye bye. Ah, vous voilà. Vraiment désolé pour toute cette pagaille. Venez vous asseoir. Nous allons faire en sorte que le public vous prenne pour des imposteurs. Le cerveau humain, ça ne peut pas tout supporter. Si les gens savaient ce qu'il se passe, ils paniqueraient. Quoi? Ces messieurs s'en occupent. Laissez faire le gouvernement. Je vous remercie d'être venu. C'est frauduleux et dangereux. Franchement, si vous voulez mon avis, SOS Phantom sème inutilement la panique pour se faire connaître de toute la ville. Mais ils nous font passer pour des illuminés. Eh, oublie ça. Erin, te prends pas la tête. T'as vu tous les gens que t'as sauvés? Ouais, allons dehors, pour manger quelque chose. Bon, je vous retrouve demain.